L'occasion du mois béni de Ramadan de chaque année égyrienne, les populations de Krébadougou, localité située à 60 km d'Odiéné, procèdent au tafsir, commentaire de l'intégralité du noble Coran. La bénédiction finale alors remise à une date ultérieure, celle du Ramadan dernier. La 15e édition a eu lieu mercredi en présence d'une forte délégation venue des 18 villages de la localité Diomande Bouaké et Cissé Daouda. Initié et dirigé par le cheikh Bouaké Mathieu Samassi de Kelendjan en 2006, avant de passer la relève 9 ans plus tard à l'imam Lassine Diaby, fils de la localité, la bénédiction finale du tafsir, commentaire du noble Coran, qui a lieu le long du mois béni du Ramadan, est une cérémonie exceptionnelle pour la population de Krébadougou. Cette année, elle a réuni les 18 villages des Sofas de la localité. Vraiment, nous sommes là avec toute la notabilité. Ceux qui participent à la cérémonie retournent satisfaits. Satisfaits dans quelle mesure? Parce que chacun trouve son compte, la solution de son problème. Que ce soit problème de maladie, que ce soit problème financier, que ce soit problème d'emploi, en tout cas, au sorti de cette cérémonie, chacun trouve quand même son intérêt dans la situation. Une aubaine pour la population de Krébadougou de renforcer les liens de fraternité, de développement et de cohésion sociale, non seulement, mais aussi de fortifier sa foi religieuse islamique. Et vraiment, nous remercions notre imam, très sincèrement, qui aujourd'hui nous a entretenus sur un thème central, qui était l'éducation des enfants, et en plus, comment il faut s'y prendre par rapport à ce monde si bas. Quasi-totalité des régions du pays sont retournées satisfaites des festivités de cette journée de bénédiction. Krébadougou est un village situé à environ 60 km d'Odiéné, chef-lieu de région du Krébadougou, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Nous le disons.